Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. On est le lundi 27 novembre, il fait super froid aujourd'hui, je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici ça pèle. Bon allez, on n'est pas là pour parler météo, on est là pour parler scrap à ce qui paraît. Donc là j'ai commencé à faire des pliages. On va faire un mini album, je vous avais fait déjà un album comme ça en feuille A4. Le prochain je vous le fais avec des feuilles 30-30. Donc prévoyez des feuilles 30-30 si vous voulez refaire cet album. Donc là j'ai commencé à faire mon pliage et vous allez voir que il vous faut donc une feuille A4 comme ceci, et ici sur la longueur des 29-7 vous allez le couper à 14, voilà, et à 14. Moi c'est pour pas m'embêter avec les demi, voilà. Mais après vous pouvez faire avec la feuille A4 entière si vous êtes à l'aise avec les avec les 7, 2, 3, voilà. C'est vous qui voyez. Donc là, votre feuille. Ici, là, sur les... là, vous avez les 21 et là, du coup, vous avez 14. Donc sur les 14, ici, vous allez la plier en deux, comme ceci. Donc, moi, ça, je l'ai fait hors caméra pour m'avancer. Puis en même temps, je galère un peu quand c'est le craft de chez Action. Donc là, on va faire un 100% Action. Et le prochain, par contre, avec les feuilles 30-30, on fera avec du beau papier. Voilà, je préfère vous le dire à l'avance, comme ça, vous êtes au courant. Alors, hop, et hop. Donc là, vous pliez en deux sur les 14, d'accord? Donc là, j'ai pris une, deux, trois feuilles à quatre, d'accord? Donc là, maintenant, on va reprendre notre massicot. Et ici... sur la partie des 21 que vous avez ici, vous allez faire, vous allez vous mettre à 10 et demi, d'accord, là vous allez couper jusqu'au trait là, d'accord, donc jusqu'au 7 vous allez couper, et l'autre côté vous allez plier, d'accord, voilà, il faut que ça vous donne ceci, et vous allez faire ça pour tous vos papiers. Donc là, vous vous mettez à 10 et demi. Voilà. Tac. Un côté, vous pliez jusqu'à 7. Donc jusqu'au trait. Et de l'autre côté, vous pliez. Voilà, lui, à mon avis. Je l'ai un petit peu mascagné. Allez, c'est parti. Donc on fait ça pour tout. Donc à 10 et demi, on plie d'un côté. On coupe de l'autre. Voilà. Vous allez voir, c'est très simple. On va utiliser un papier, bien sûr, de chez Action. On va utiliser un Papercraft. Alors, comme je vous ai dit, les Papercraft, en fait, ils sont pas exceptionnels hein, cette année. Franchement, ils sont, au niveau des couleurs, ils sont, je les trouve fades. Je les trouve, ouais, je les trouve pas terribles en fait. Le problème c'est qu'on les achète, ils sont fermés et on se dit ouais, ça, quand on regarde le devant, on se dit ouais, ils ont l'air sympas et tout, mais en fait non, pas trop quoi. Voilà. Et le dernier, voilà. Donc ça va être vraiment un mini, alors Rikiki, hein, un petit album pour mettre des mini photos. Alors encore une fois, les petites photos, ça existe. Hein. Venez pas me lyncher en commentaire en me disant ouais, les grosses, ça existe. Mais bon. Allez, donc là, vous allez prendre votre papier, d'accord. Vous allez marquer les plis. Et vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ceci. D'accord. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ça. C'est tout bête. Et là, ce que vous allez faire ici, d'accord, c'est soit... vous voulez créer une petite pochette à l'intérieur, donc vous mettez de la colle que là et là, d'accord. Et ici, ça vous crée la pochette. Ou soit vous voulez pas de pochette, ben vous collez tout, d'accord. Donc moi, pour celui-là, je veux pas de pochette. Voilà. On aurait pu en mettre trois marques, parce que je crois qu'on a des, on a des petits tags. On aurait pu mettre des petits tags à l'intérieur. Ouais, mais non. Là, je veux pas de pochette pour celui-là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Voilà.
Celui en 15-15, je ferai avec des pochettes. Donc là, vous allez rouler. Maintenant, si vous voulez des pochettes, vous mettez que sur les trois côtés. D'accord? Donc là, tout simplement, vous allez coller tous vos papiers. Donc, vous pliez. Je vais vous remontrer parce que je pense que je ne suis pas claire dans dans ce que je dis. Donc là, hop. Hop. Et hop. Il faut que votre papier soit comme ça. D'accord? Là, il est comme ça, votre papier. Et là, vous allez mettre de la colle ici. Si vous voulez créer une pochette, vous mettez de la colle que sur les côtés là. D'accord? Ça va vous créer... Enfin, que sur le côté là et là. Parce que votre album va être comme ça. D'accord? Donc là, on va tout coller, tout simplement. Allez, je viens de tout coller. J'ai fait pause parce que comme ça, au moins, ça vous évite un truc trop long où je fais que la même chose. Et là, vu que je n'utilise pas de logiciel de montage, je ne peux pas vous passer en accéléré. Donc du coup, vous allez avoir toutes vos pages comme ceci. Donc moi, je n'ai pas de pochette ici, mais peut-être que vous, vous en avez. Et là, ça va être très très simple en fait. Vous allez coller les pages les unes sur les autres comme ça, jusqu'au temps que vous ayez plus de pages. D'accord? Donc là, en fait, vous allez mettre de la colle ici. D'accord? Hop. Et vous allez coller vos pages ensemble. Voilà, tout simplement, c'est tout bête. Donc après, je vous ai dit, j'ai pas fait de pochette, mais ça fait sympa aussi avec les pochettes. Donc là. Le but du jeu, c'est de venir vous coller en en vous en 1, 2, 3, en vous alignant bien avec les pages les unes aux autres. Moi, je suis pas très droite. Alors là, franchement, moi, je... Avec le papier craft, là, de chez Action, je n'arrive pas à faire des trucs droits. Je sais pas si c'est la matière ou j'en sais rien. Alors, avec le blanc, le noir, il n'y a pas de problème. Alors, le craft. Ça veut jamais. Donc là, on s'aligne bien. Là, on fait pareil. Et là, vous collez toutes vos pages. OK? Oui, pour l'instant, il n'y a rien de fifou, hein. Donc en fait, vous collez à vos pages les plus fines. Pas là, c'est normalement où je vous ai dit où vous devriez avoir vos pochettes là. D'accord? Ici, bah, vous collez les deux feuilles. Vous voyez, ça fait comme ça. Vous collez ces pages-là. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis. Et voilà. Et là, ça vous fait un petit album. Bien que je sois bien collé à droite partout là. Au niveau des pages. Ok, bon, là, je suis pas droite par contre au niveau de là et de là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un petit cahier. Mais là, il y en a pas mal de pages. Pour le coup, là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pages. On a 13 pages. Donc là, ben, du coup, maintenant, ce que vous allez faire, c'est découper du papier de déco. Donc là, on est à 7 par 10 et demi. Donc vous allez couper des papiers de 6 et demi par 10, les coller. Et ensuite, là, ça va être... Franchement, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas droite. Bon, ça. Donc moi, je voulais utiliser ce Papercraft 7, là. Papercraft 7, on va y arriver. Et on va venir découper des papiers. Donc là, il en faut pas mal. Donc,
Alors après, moi j'ai pris ça, mais après vous pouvez prendre plus de feuilles hein, si vous voulez. Là, c'est vraiment un tout petit mini rikiki hein, que je vous propose là aujourd'hui. C'est pas un gros truc. C'est pour vous montrer que vous pouvez faire des tout petits. Vous voyez, les papiers sont pas. Ils sont pas fifounés quoi. Alors, du coup, moi je vais tout couper en même temps. Ça fera plus de. Après, il n'y a pas de sens normalement. Alors, on va venir couper comme ceci. Donc là, je vous ai dit que ça fait 7. Donc, vous allez couper à 6,5 ici. D'accord. Et ensuite, vous allez couper à 10 cm. D'accord. Et ici, vous allez couper à 10. Donc là, moi, je vais couper mes papiers. Je vais les coller. Donc ensuite, vous venez. Et vous coupez et vous collez vos petits papiers déco ici. Donc après vous allez coller sur tout votre album. Alors attendez, parce que là je colle pas à ma dernière page parce que je vais faire en fait une petite structure vite fait. Voilà pour les débutants, tout ça, où il n'y a pas besoin de faire de structure en carton. Donc là vous allez venir coller vos papiers. On va comprendre pourquoi je suis à plus de 7 là. Je sais pas. Donc là, je vais coller tout et je vous retrouve après. Allez, je finis de coller mes papiers. Mine de rien, avec 3 feuilles à 4, j'ai réussi à faire tout. Mais mine de rien, il en faut quand même des petits bouts de papier quoi. Voilà, regardez, petit album, hein. Après il est simple, les papiers, bon, sont pas fifou, mais ça va vous donner quand même une idée, d'accord. Là, le but de cette vidéo, c'est vraiment vous donner une idée de faire un mini album. Alors, comme je vous ai dit, moi, là, il n'y a pas les petites pochettes, mais là, vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23 quand même. Hein, avec 3 feuilles à 4. Après, c'est petit. Ok. Mais c'est mignon. Allez, maintenant, on va faire la couverture. Donc, on va faire la couverture juste avec une feuille. Alors, j'espère y arriver avec la feuille épaisse, là. Ça, c'est pas gagné. Parce qu'elles sont vraiment très épaisses, celles de chez Action. Mais bon, on va bien voir. Hein. Qui ne tente rien à rien. Alors, pour faire votre couverture, ça va être simple. Vous allez mesurer ici, donc ça fait 7 sur 10,5. Mais par contre, vous allez mesurer votre tranche. Alors, la tranche, moi, ici, elle fait 1,5. D'accord. Donc, le but du jeu, vu que... Donc là, ça va être comme ça. À 10,5, déjà, je vais couper ici à 10,5. Donc, c'est suivant la grandeur de votre papier, d'accord. Et ici, ce que vous allez faire, donc, non, j'ai fait une bêtise. Non, j'ai fait une bêtise. 10,5. Là, ça fait 7. Donc, vous allez faire un premier pli à 7. D'accord. Donc là, vous allez faire un premier pli à 7 cm. Ok. Et je vous ai dit que ma tranche faisait 1,5. Donc là, vous allez vous mettre à 1,5 après. Donc moi, là, je me mets à 8,5. Je refais un petit trait. D'accord. Vous voyez, ici, là. Et après, on va venir faire des petits traits par-dessus. Et là, après, à partir de là, vous allez couper à 7 cm. Donc là, je vais mettre sur les 7. Et là, je coupe. Donc en gros, ça fait 15,5. D'accord. Et là, au niveau de votre petit 1 cm, là, vous allez faire des petits traits tous les 0,5. Donc à 7,5. À 8. Et là, 9,5, on y est déjà. Voilà. D'accord. Là, vous avez fait des petits traits à 0,5. Je ne sais pas si vous voyez. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Donc là, en fait, ici, vous allez avoir votre tranche. D'accord. Ici, là. Hop. Comme ceci. Et là, en fait, vous allez marquer vos plis ici. Tac. Et tac.
Voilà. Et en fait, là, avec un crayon ou n'importe quoi, enfin, vous voyez, ça va arrondir, en fait. Vous voyez, ça vous fait un petit arrondi, là. OK? Ça marche pour vous ou pas? Et là, le but du jeu, ça va être tout simple, en fait. Ça va être de venir coller la première page là-dessus, d'accord, ici, et la deuxième là-dessus. Et vous voyez, le fait qu'il y ait l'arrondi, là, ça va pas gêner, en fait, quand vous allez ouvrir votre album. D'accord, c'est juste pour ça qu'il faut un arrondi. Donc là, je vous fais vraiment le petit truc basique, basique. Alors là, vous allez venir mettre de la colle justement ici sur toute votre première page. Voilà, tac. Et elle, vous allez venir la coller à ras de votre page de structure. D'accord. Donc là, vous essayez de bien vous caler bien droit. Décidément, le craft aujourd'hui ne veut pas. Et l'autre côté, vous allez faire pareil. Comme ça, le temps que je coupe les papiers de déco, on va laisser sécher. D'accord? Donc là, hop, vous faites pareil de l'autre côté. Vous collez bien. Bon, le mieux, je vous dirais, prenez du scotch double face, au moins... Vous êtes sûr que ça colle tout de suite. Voilà. Mais bon, une fois que c'est collé. Vous voyez, ça vous fait un petit... Vraiment un tout petit truc. Moi, j'aime bien. Donc là, vous allez venir prendre un papier de déco. Je ne sais pas quel. Franchement. Après, de toute façon, vous avez toutes ces choses-là pour décorer un petit peu votre album. Mais là, le thème, en fait, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire en thème. Pas, j'ai envie de vous dire là, je suis complètement paumé avec leur truc parce que je sais pas. Du coup, je vais prendre quoi? Ouais, je vais prendre ça, un autre, comme ça au moins. Voilà, alors là, je vais couper comme tout à l'heure à 6,5, d'accord, et à 10. Voilà, pour juste faire ma couverture d'album et la décorer. Après, au niveau de la tranche, je vais la laisser comme ça, parce que de toute façon, en plus, j'aurai du mal à la décorer, vu comment elle est faite. Et ensuite, ben, vous venez mettre vos papiers déco ici, et après, vous venez décorer. Voilà, vraiment... Bon, après, je suis désolée. Là, pour le coup, j'ai pas choisi le meilleur de papier pour mettre cet album en valeur. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même utiliser ces blocs qu'on a pris. Hein. Donc, je les utilise. Mais je les trouve pas fun. Mais c'était pour vous montrer, en fait. Voilà, mais c'est pas le papier de l'année, quoi. Allez, on va quand même décorer un petit peu cet album. On va aussi peut-être se placer droit, ça serait pas mal. Voilà. Donc là, je vais prendre... Bah, vous voyez, il y a des petits sapins et tout pourtant, mais je ne comprends pas en fait ce qu'ils ont voulu faire avec ce truc-là. Parce que bon, il y a des animaux, certes, il y a des... mais je sais pas. Je suis pas. Celui-là, je l'avais pris, je me suis dit pour peut-être pour l'hiver et tout, mais même pas. Hein. C'est. Alors dites-moi si vous l'avez pris, vous, celui-là. Enfin, si vous avez pris cela, parce qu'en fait, c'est tout cela en général. Autant les autres, ils sont beaux. Mais tous ceux qui sont dans les sachets comme ça. Ouais. J'ai vraiment du mal. Je sais pas pourquoi. Dites-moi vous en commentaire si vous en avez pris cela. Bon, on va essayer de décorer comme on peut. Donc là déjà on va mettre un petit sapin. Au roi des forêts. On va mettre Wild. Bon, après sur le rose là ça ressort bien, hein. Mais
J'ai pris un truc, je sais même pas ce que c'est. Pour moi, c'était un paquet cadeau, mais je suis pas sûre. Du coup, je suis pas très sûre de ce que c'est. Voilà, on va mettre comme ça. On va mettre le paquet cadeau comme ceci. En même temps, j'ai envie de vous dire, il est pas très gros, donc au niveau déco, hein, on va pas y aller de fou. Je voulais mettre ça, mais au final, bon. Non, on va juste mettre un petit orange ou pamplemousse. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas pourquoi c'est là d'ailleurs. Juste histoire de décorer. Voilà. Bon, c'est pas l'album de l'année au niveau de la déco et tout ça et du papier. Mais voilà, pour vous montrer en fait ce que vous pouvez faire. Alors, comme je vous ai dit, là j'ai fait simple. On aurait pu faire. Là, on aurait pu faire directement avec des papiers collés les uns sur les autres. Mais c'est pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Et n'hésitez pas à faire les pochettes. Et vous, avec les tags à l'intérieur, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous collez que sur deux endroits. Et comme ça, ça vous fait les petits tags. D'accord ? Donc, vous avez votre papier comme ça. Vous mettez de la colle que là et en haut. Et là, vous aurez une petite pochette où vous pourrez avoir... des petits tags là qui sortent et tout. Ça peut être super sympa aussi d'avoir des petits tags à l'intérieur. Et si vous avez des tags à l'intérieur, bah, vous aurez encore plus de place pour mettre des photos. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère quand même que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Alors, je crois que pour tout ce qui est paper bloc comme ça, j'ai essayé l'autre fois de vous faire une carte déjà avec ça. J'ai galéré. Mais là je pense que je sais pas, je pense pas que vous les revoyez passer parce que j'ai vraiment du mal. Voilà, vraiment là, autant je vous dis les autres sont trop beaux quoi, mais vous voyez, bon là c'est le bleu, mais autant ceux-là ils sont bien réussis, autant ceux-là je sais pas, j'ai les couleurs et tout, vous voyez, j'ai vraiment hésité, je voulais prendre celui-là au début, mais je sais pas, j'ai vraiment du mal avec les couleurs. Ils nous ont habitués à mieux, hein. Ils nous avaient fait des beaux comme ça. Mais là, cette année, je sais pas. Autant prendre ceux-là, ouais, ok, ils sont super beaux. Les dice cuts sont juste magnifiques et tout. Bon, celui-là, j'avais galéré. Pareil, il est fade, hein. C'est pas le plus joli. Mais les dice cuts sont beaux. Mais là, galère. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, sur ce, prochain album, mais cette fois-ci avec des pochettes dans le même style. En 30-30, mais voilà, petit album minute, vous voyez, c'est pas très long à faire. Bon, le plus long, ça a été de coller en fait les papiers à l'intérieur. Mais bon, voilà. Bon, allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous la team. Bisous, bisous.